Salut à tous, ici Léon Vol qui est là pour une nouvelle vidéo sur un nouvel épisode de la JCity. Alors je tiens à tous vous remercier pour les 3 millions de vues Google Plus de la French Open YouTubers et de l'évolution de la communauté Google Plus qui a 268 membres. Alors du coup, pour fêter ça, j'avais fait une tour comme celle-ci pour une autre communauté Google Plus, les fans, avec un ascenseur, sauf que le système refuse de fonctionner depuis ce matin. À savoir pourquoi, c'est une nouvelle mise à jour qui a dû bugger le système. Alors je vous montrer comment le système aurait dû fonctionner. Voilà. Et il ne fonctionne tout simplement plus du tout à la place de l'ascenseur. Je ne sais pas pourquoi, j'ai tout cassé, j'ai tout refait. Le tuto a été fait par Jack Frost Miner, ou un nom très proche, qui a plus de 1 million d'abonnés, donc je me fous pas de votre gueule. Le tuto a été bien testé, bien fiable. J'ai testé 150 fois le système quand même. Donc normalement ça devrait marcher et ça refuse de fonctionner. Je ne sais pas pourquoi. Donc ça serait bien que j'espère que je suis pas le seul à avoir ce problème et que quelqu'un d'assez connu va pouvoir faire part de ce problème au créateur du tutoriel pour lui dire que son système ne marche tout simplement plus et que lui enquête sur le sujet. Pourquoi il ne marche plus ? Qui est quand même assez gros pour obtenir la réponse. Comme moi, j'obtiendrai jamais la réponse. Voilà comment ça devait fonctionner. Hein. J'allume. Vous voyez, des pistons se lèvent. Et ensuite, voilà. Et c'est au moment de se rabaisser où il y avait un problème dans le système de là-bas. Là, ça a l'air de fonctionner à peu près correctement. Toujours bugué, mais ça s'adapte. Ça se rabaisse bien. Ça monte et ça baisse toujours à la même hauteur. Alors que c'était pas le cas avant. Hein. J'ai essayé pendant 10 minutes, c'était pas le cas. Donc, alors pourquoi. Mais là, ça a l'air de fonctionner à peu près correctement. Donc le but, c'était de passer par l'ascenseur qui avant se situait ici. Je vais vous montrer la différence. Hein. S'il n'y a pas trop d'humidité. Alors, à la place de ça, je vais prendre le même bloc de verre. C'est le même système. Et on va pouvoir voir la différence. Vous allez voir la différence. La différence que je n'explique pas. Que ça serait bien qu'elle soit expliquée. S'il y a des connaisseurs qui se viennent. Alors, regardez la différence. Voici le système dans l'ascenseur, ce qui cause problème. Et le système un peu pré-fonctionnel. On voit qu'il y a clairement un gros problème. Pourtant, il a toute la place pour s'exprimer. Regardez, il situe ici le problème. C'est que lui, quand il va falloir récupérer le bloc, il va pas le récupérer. Résultat, je vais vous montrer ce qui va se passer. Il se rabaisse pas correctement et quand on a vu. Voilà. Du coup, le système est en décalé. Alors qu'avant, ça fonctionnait très bien. Donc, du coup, je suis obligé. Donc, l'ascenseur pour être fonctionnel. Et je vais être obligé de décaler le système. Et du coup, on va devoir monter à un endroit différent d'où on descend. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Les deux endroits vont pas avoir la même entrée et la même sortie. Et normalement, il y avait un système pour allumer le bouton, mais ça, du coup, je peux plus le faire à cause de la place pour la nouvelle entrée. Oui, parce qu'il y a aussi un système pour faire lever automatiquement. Mais voilà, ça ne fonctionne tout simplement plus. Hein. Enfin, ça fonctionne. Et voilà, comme l'ascenseur de code, de toute façon. Ah bah c'était juste pour vous montrer ça, voilà. Donc merci à tous de vous avoir suivi. Il y aura prochainement d'autres vidéos sur la JCity qui part en mode freelance, si vous préférez. C'est-à-dire que je fais des vidéos de la JCity saison 3 quand je veux. C'est-à-dire elle peut s'arrêter dans 3 jours la saison 3, comme elle peut s'arrêter l'année prochaine. Voilà, comme ça vous êtes fixé là-dessus. Et j'espère vous revoir pour une prochaine vidéo. Allez, à tout.